Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à remplacer le module d'affichage de ce lave-linge Candy. Vous serez amené à le remplacer si un bouton ne répond plus ou qu'une LED ne s'allume plus. Pour cela, vous aurez besoin d'une clé de 7, d'un petit tournevis plat et de votre paire de gants. Sachez que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez faire appel à un de nos techniciens qui vous guidera à distance grâce à notre service visio. Allez, on attaque le démontage. On commence par débrancher son appareil et on enfile sa paire de gants. Prenez votre clé de 7 pour retirer les trois vis qui maintiennent le top. Ensuite, tirez le panneau vers l'arrière et soulevez-le en même temps. Prenez votre clé de 7 pour retirer les deux vis qui se trouvent juste ici. Retirez à présent votre tiroir afin d'extraire les deux vis cachées. Reprenez votre clé de 7. Désolidarisez le diffuseur du bandeau. Nous allons pouvoir retirer le bandeau juste ici, mais attention, ne tirez pas trop fort afin de ne pas casser les fils ni les clips qui le maintiennent. Prenez votre tournevis plat pour déclipser. Débranchez votre connecteur et voici votre bandeau de commande. Assurez-vous que le bouton est bien sûr off et extrayez-le. À l'aide de votre tournevis plat, pliez légèrement les pattes et poussez sur le sélecteur. Soyez délicat avec les clips et n'hésitez pas à utiliser un tournevis plat pour vous aider à extraire le module. Si l'afficheur est resté, n'oubliez pas de le récupérer. Prenez votre module neuf, remettez l'afficheur dessus. Repositionnez votre module. Emboîtez votre bouton toujours sur la position off. Fixez à présent votre bandeau. Remettez votre tiroir, puis repositionnez votre top. Et voilà, vous savez maintenant comment remplacer la carte d'affichage de votre lave-linge Candy. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez simplement nous les laisser en commentaire et nous y répondrons. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner ou liker, voire les deux. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye !